Voilà l'équipe de France, vice-championne olympique, qui joue son tour de Golden League au Danemark. L'équipe de France en blanc face à la Norvège dans ses couleurs rouges traditionnelles. Beaucoup d'excitation à revoir ces filles de l'équipe de France. Beaucoup de plaisir également dans un tournoi qui est amical, mais où généralement les équipes se testent avant le championnat d'Europe qui se jouera en Suède en décembre. Avec Camille Aiglon sur la base arrière avec Nursian Nyombla, Laurie Zalandre. Et puis Marie Prouvencier et Siraba Dembélé sur les ailes. Deuxième ballon et petit Chabala, superbe pour Laurie Zalandre qui marque son deuxième but. Les ailières sont en position. Tiens, voilà, voilà un tir en haut. Tamara Horacek est bien servi par Marie-Paul Gnabouyou. C'est parti très très vite. Il reste 10 secondes maintenant dans cette première période. Occasion de revenir au vestiaire à égalité. Ce sont plutôt pas mal. Les Françaises sont bien parties, mais depuis elles cavalent. Après les Norvégiennes, Nyansen Nombla, le tir et détourné et on va en rester là avec cet avantage de 9 à 8 en faveur des Norvégiennes. Stéphane Vinko la passe dans le dos, allez pourquoi pas, ça ne marche pas et derrière Cléopâtre Darleux. Allez, allez Cléopâtre, est-ce qu'elle va y aller? Elle y va, elle y va, oui, c'est énorme, il est énorme celui-là. Alors là, magnifique ce but de Cléopâtre Darleux, elle a intercepté ce ballon et elle s'est pas dégonflée, elle est partie en dribble, elle peut en sourire. Ce but-là sera certainement le but de la semaine. Et regardez. Là, et n'oubliez pas, il y a Brest ici, bientôt, sur Bein. Fin de, fin de passe. La fin de passe, il y a tout ce qu'il faut, là. Christiansen, ouais, c'est bien décalé. Oh, la avec la roucoulette de Camilla Hérem. Face à Cléopâtre Darleux. Ouais, l'on sourit. La gardienne mulhousienne. En Bretagne maintenant, pour Hansen à nouveau. Colzin, et encore une fois, Amanda Kolzinski qui est bien montée. Tamara Horacek avec Camille Aiglon qui va essayer d'y aller. Ouais. Là, peut-être un coup franc. Défense compacte. Ça, c'est sûr. C'est le même mot qu'en français. Assez intéressant, il questionne ses joueuses avant de savoir ce qu'ils vont faire. J'adore. Nordique, allez, Camille Hérem encore, il n'y a pas personne dans le but. Hey, ça tombera sur le poteau. Là voilà cette dernière action et la victoire norvégienne 19 à 17. La Norvège commence bien donc cette Golden League, cette préparation pour l'Euro. Une défaite de 2 buts pour les Françaises. On a vu de belles choses, on a vu aussi quelques petits trucs à améliorer. Bref, il y a du travail, mais c'est tout à fait normal. Et le match a été serré face aux championnes du monde 2015. Victoire quand même des Norvégiennes, 19-17.